Ok les potes, bonne petite nouvelle. Comme vous savez, je vous l'avais dit du coup, bah il y a quelques jours. De toute façon, on s'inquiète pas. Cette semaine, on allait tous avoir, pour tous ceux qui ont participé bien sûr, au tournoi, la cup du coup, Fortnite contre Apple. Du coup, le petit skin trop gnon, grognon du coup, s'appelle comme ça en version française. Tout le monde l'appelle Apple pourri, on peut l'appeler aussi comme ça. Du coup, voilà le skin. C'est un skin gratuit du coup. Franchement, il est plutôt stylé. Bon, ce qui est dommage, il a pas la vanne de terre qui est sur le crâne, comme on pensait. Mais bon, ça c'est pas grave. En vrai, il est quand même stylé. En plus, je trouve qu'avec la cape de Thor, le hasard fait que je l'avais sur moi, ça fait stylé en vrai. Du coup, on va directement obtenir et on va voir tout de suite ensemble. Sachant qu'Epic Games ont même marqué juste en dessous Free Fortnite. Je vous rappelle que c'est le petit hashtag qu'il faut mettre du coup chaque fois que vous publiez quelque chose par rapport à Fortnite sur Twitter. Pour ceux qui ont Twitter ou même Instagram d'ailleurs, vous mettez Free Fortnite dès que ça a un tweet rapport à Fortnite, peu importe le tweet que vous mettez, etc. Voilà. Sur ce, on va regarder dans le casier. On va faire obtenir. On va dans le casier, les potes. On va directement voir notre petit skin. Du coup, franchement, il est quand même stylé. Donc là, il est quand même de rareté bleue, apparemment. Donc c'est un skin à la base. Si on mettait un skin de boutique, entre guillemets, il sera à 1200 V-Bucks. Donc c'est un skin quand même pas mal. Le skin est stylé quand même. Il est quand même stylé. Il a un look à lui-même, quoi. Franchement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont peut-être obtenu. Généralement, tout le monde l'a soit aujourd'hui ou demain ou plus tard. Même certains l'ont eu hier pour ceux qui ont juste sur OS, etc. Et sur des plateformes un peu plus. Voilà, de quoi ils l'ont eu normalement hier. Il y en a qui l'ont eu aujourd'hui, comme moi je l'ai aujourd'hui dans la journée. Il y en a qui l'ont eu demain. Ils vont peut-être l'avoir demain. Tout dépend du pays où vous êtes. Normalement, tout le monde, ceux qui ont participé, ils ont eu 10 points. Je précise, si vous avez eu moins de 10 points, évidemment, vous ne l'avez pas. Logique, c'est un skin gratuit pour tout le monde. Du coup, c'est vraiment sympa de la part d'Epic Games. Donc, on va le mettre tout de suite pour voir ce que ça donne dans le. Franchement, en vrai, il est stylé. On va regarder dans le casier. Ah ouais, mais il est stylé comme ça, les gars. Dites-moi en commentaire, en vrai. Perso, moi, je trouve stylé. Je sais pas si vous l'aimez bien. Ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous attendez à mieux? Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ouais, il y a un noir et blanc. Certes, il n'a pas mis en noir et blanc. On a pu mettre deux custom en version noir et blanc, comme là. Et en version, du coup, on la voit à pomme rouge. Mais je vous rappelle que Apple, du coup, est en gros, et les couleurs comme ça, logiquement, c'est pas forcément rouge. Donc voilà. Bref, sur ce, la petite pote, c'est une petite vidéo qui dure pas très longtemps. C'est juste pour vous montrer le skin. Du coup, à quoi il ressemble dans le casier, à quoi il ressemble dans le salon, enfin dans le lobby, appelez ça comme vous voulez. Du coup, voilà. Moi, sur ce, je vais jouer. Je vais rusher aujourd'hui. J'ai pas encore joué pour l'instant. Je vais faire quelques défis qui me restent encore à faire. Plus les défis, du coup, sur le côté. D'ailleurs, vous avez dû remarquer qu'il est lispé. Les défis, il y en a moins que les défis de tous les jours. Là, on a 10 000 au lieu de 14 000. Et les défis normal qu'on a, c'est 1000 au lieu de 1400. Mais du coup, on a plus par contre d'ispé pour les défis. J'ai vu qu'on a des pièces vertes aussi. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur les pièces vertes. J'en ai repéré deux du coup pour l'instant. Des pièces vertes. Il y en a une près du pont de Salty. Si jamais vous allez souvent par là. Entre Salty et Pleasant Park. Enfin, par habitude, je dis Pleasant Park. Mais bref, vous avez capté où ça se trouve. Il y a un petit pont entre les deux. Il est en bas du pont si jamais vous voulez récupérer cette pièce verte. Du coup, bref, je ferai ça en vidéo de toute façon prochainement. J'envisage d'essayer de le trouver et de faire ça en vidéo sur les pièces vertes. S'il y a des violettes, etc. Je pense pas qu'il y a encore de pièces en or. Du moins, j'en ai pas vu, donc je pense pas pour l'instant qu'il y en a. Mais s'il y en a, de toute façon, je le ferai en vidéo. Vous inquiétez pas. Sur ce, on se retrouve du coup à ce soir pour la boutique du coup 2 de Fortnite. Parce que du coup, ce sera la deuxième boutique de Fortnite de saison 4. Peut-être que ce soir, on aura peut-être un nouveau skin. D'ailleurs, normalement, on aura un nouveau pack en boutique. Normalement, il n'est pas encore disponible. Donc voilà, mais je pense qu'il va être disponible d'ici ce soir, à mon avis, ou peut-être demain, ou ce week-end. On ne sait pas quand il va arriver vraiment. Mais prochainement, il y aura des packs. Il va sortir deux, le premier de certains packs de la saison actuelle, saison 4. Ce sera un skin garçon, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec bien sûr 600 V-Bucks, comme d'habitude, plus ce cadeau, etc. On aura également un pack spécial qui est également aussi rapport avec Marvel. Je vous en dis pas plus. Je n'ai pas envie de trouver vos spoils. Si vous voulez savoir les informations, tout est sur mon Discord, sur mon Instagram et mon Twitter. Je publierai les photos des skins, l'ensemble des packs, etc. Qui sortiront prochainement. Voilà, voilà. Sur ce, à ce soir. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement qui fait plaisir. N'oubliez pas le petit code créateur qui est juste en bas de la vidéo, mais également au milieu de votre écran, en majuscule ou en minuscule. Et vous faites accepter. Et je vous dis du coup, à ce soir. Ciao, bye.